Ah ouais, est-ce que vous avez déjà vu ça en passant? C'est nouveau ça, ça vient de... Et en fait vous pouvez voir... Ah non, 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 déjà. Ok, non, c'est bon. Oh, oh, presque 1 million de points. Waouh, 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 ils sont trop chauds. Il y a juste... On va gagner, on va gagner. Je pense que juste avec ce truc de chargement là les gars, juste avec ça je sais si on va gagner ou pas. En gros vous pouvez cliquer sur les portraits et vous pouvez voir le nombre de maîtrises qu'ils ont. Mon Yasuo a 713 000. Mon Fiddlesticks a 1 million 3, genre tu sais tout de suite que c'est un OTP. Poppy 1200 va se faire éclater. Kha'Zix il peut être trop chiant avec ses 95 000 quand même. Moi j'ai que 130 000, 16 000 au mid, ça pue la mort, 50 000 ici ça pue la mort, 18 000 ça pue la mort, c'est trop bien. Je kiffe, ça c'est trop trop bien là. Riot Games a trop trop géré. Ça pas le nouveau chargement, moi je surkiffe hein. Je sais pas vous là mais moi j'aime beaucoup hein. Franchement, il y a moyen que juste avec ça, on sait qui va gagner. Parce que je fais partie de la catégorie des gens, ce type de gens qui pensent que si tu maîtrises un champion, même si t'as le désavantage du match-up, c'est plus intéressant que tu maîtrises ton champion. Parce que dans les teamfights, dans les late games, tu vas savoir quoi faire. Alors qu'en lane, même si le mec il a l'avantage, s'il maîtrise pas son champion à la fin, ça sert à rien. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Mais il est où le jungler? Ah bah. Du coup on est support Talia. Après Fiddlestick, moi j'aime beaucoup invade avec le Fiddlestick. Allez go, c'est parti les gars. Bon, j'ai eu mes trucs. Du coup, je voulais te dire que je te suis sur YouTube et que ton contenu est intéressant et divertissant et j'arrive enfin à te voir en live. Ça fait plaisir. Hop, 30 gold, ça c'est gagné, c'est gratuit. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, sur YouTube, les gens, j'ai pris la décision de faire que des vidéos, plus ou moins, voire très travaillées, en fait. Donc là, la prochaine... En fait, oui et non. Ce sera beaucoup plus rare des vidéos highlight ou des full game, en fait. Je vais recommencer les vidéos astuces. J'ai plein d'astuces à vous donner, en fait, sur LoL. Et je vais recommencer à fond ce genre de vidéos. Par exemple, cheese numéro 1, ici. Faut jamais se coller. Parce que s'il y a le Alistar qui nous cue, on est tous les deux morts. Mais ça, la vidéo de cheese, elle va sortir soon. Falloir attendre le niveau 3 là. Trop risqué contre Alistar. En fait, je vais perdre au niveau all-in en fait. Faudrait que je poke. Le Kha'Zix en jungler. Ok, j'arrive mec, mais c'est. Ouais, il va se faire détruire. S'il flash, il faut qu'on soit là pour l'aider. Je l'ignite, j'ai pas le temps. Je mets le E ici, c'est bon, on est comment là? Oh, ça TP, pas mal. On va forcer le flash de Alistar. Alistar, il a plus de flash. Je crois qu'il avait... Ouais, c'est ça, il avait flash le Alistar. Je flash aussi du coup. Fuck that. Ok, c'est bien. J'ai oublié de lancer un défi quarterback, je pense. C'est pas que je pense, j'ai complètement oublié de lancer le défi quarterback. Ok. Donc c'était le Alistar qui avait flash, on est d'accord? Bah, normalement c'est... Elle est morte. Ok, donc ça c'est un très 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 bon début de game. Ouais. Là par contre j'ai beaucoup de... J'ai plus ou moins toute la pression sur l'équipe là. Là il faut que je carry sinon c'est plus rentable. Parce que là le Urgot, ce qui nous a permis de faire, c'était insane. J'ai pris le kill, je voulais pas forcément. Vas-y, on va essayer de carry la game. On va voir comment ça se passe. Kha'Zix c'est loin en fait, j'aimerais en profiter limite. Ah, elle fait mal quand même. Je vais la dégager au W. Je me fais creep block un petit peu. C'est pas très grave. Moi j'avais deux potions. J'avais deux potions. Elle a des potions rechargeables donc elle va gagner moins. J'ai un ignite. Hein. J'ai un ignite, on va les détruire. Non, mec, on les tue. Ah, bien joué, putain. Il fait n'importe quoi le Alistar. Hein. Il est allé chercher un truc là. Je pense qu'il aurait pas dû. Bon, lui, je vais le tuer vite fait, lui. Je laisse le kill à Caitlyn quand même. Bien joué. Merci d'avoir follow. On va essayer de prendre la tour, là, nous. Des plaques, au moins. Ça peut être intéressant. Nice. Non, je l'ai pas. Oh! Oh, si, c'est parfait. Oh, putain, j'ai eu trop de chance. Nice. Oh, la foirée, la jinx. J'avais tellement mal mis mon mur, en plus. Ok, bon, bah, écoute. Plaque. Premier tour peut-être. Elle va être dure de carry cette game. Mid fed. Jungler fed.
Ça va être un peu chaud ça, de carry. Ok. En même temps, l'Urgot était. Et je pense que l'Urgot est pas mauvais là. De toute façon, en fait, ce qui est bien, c'est que je sais que tout le monde s'est joué en fait. Ils doivent juste passer une mauvaise game en fait. Ok, donc elle, elle me respecte pas du tout, bonne nouvelle. Top, j'ai mon ultime dans 15 secondes, ils vont se faire encore détruire. Ah putain, c'est chaud, cette game est trop dure. Cette game est dure. À l'aide. Le Kha'Zix, il va sauter ici normalement, non? Ah ouais. Je pensais pas que le Alistar a flash ou quoi? Il prend, il fait 0 dégâts le pauvre. Elle est full armure. Elle est full armure. Ouais, ok, pas grave. Des points de vue aussi, ça peut être intéressant. Il y a un red buff de disponible. Ok, désolé. On va lui redonner un kill à ma petite Caitlyn. Je vais essayer... En fait, le gros problème de donner des kills à mon ADC, c'est que je suis pas une Lulu, je suis pas un... Je pile pas, en fait. Donc, ça sert... Je peux pas la pile. Oh, les dégâts que je lui mets. Putain, je mets des dégâts, gros. Ok, je suis vu. Oh, je suis vraiment stun, là. Ah, c'est vraiment pas de chance, du coup. Il quitte mettre une douille aussi chère, mais après, c'est vrai que je suis en mode... Bah, je suis glace canon, hein. J'ai que des dégâts. C'est pas mal, ça, pour notre équipe. Poppy qui a des pop. Lui qui a pas de sandal mercure, du coup, il s'est fait complètement des pop. J'ai les gars, ouais. C'est bien ça! Bien joué! On va essayer de mieux ward, nous aussi. On a un petit peu abandonné les wards. Oh, 22 de score de vision à 15 minutes. En vrai, c'est super propre. Il va venir, il va venir, il va venir. Ok. Ah, go, 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 go. J'aurais dû limite prendre le bleu vu qu'il en a un 6. Là on est en train de gagner juste avec la vision je pense. Ok, je bag, j'ai 1700 gold, let's go. Vrai émeraude. Ah. Un peu chiant ça. Là, c'est compliqué. Je crois qu'elle m'a flash ou pas? Je bloque un peu le passage, là. Non, qu'est-ce qu'on fait, là? Je suis un peu perdu. Ok. Let's go! Ouais, ma Caitlyn est bonne là. Je suis content de l'avoir faite parce que des fois, quand tu fades les gens, ils puent la merde. À la botlane, mais là ça va, tu vois, c'est du haut plat de diamant. Et vu que maintenant t'as les rôles réservés à vraiment ce que tu joues, t'es sûr que le mec il joue son rôle. Donc ça c'est cool. Bah, t'es sûr. Vite fait quoi. Est-ce qu'on peut prendre le. Ça ou pas? Ça serait bien. Après, vous avez vu hein, la game. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. On était en train de la perdre au début, je me suis dit, on a plus de maîtrise qu'eux en fait, on sait jouer nos champions. Là le Fiddlestick, bah ouais, il fait un début pourri, mon top il fait un début pas ouf. Mais vu qu'ils ont beaucoup plus de maîtrise que les adversaires, on va mieux jouer sur la carte, on va mieux jouer en teamfight, on va savoir quoi faire en fait. Alors que si tu maîtrises pas ton champion, bah c'est plus compliqué. Il y a les Syndra qui arrivent. Personne ne vient m'aider. Okay, elle va devoir me ult, elle. Dommage, il a foiré son ultime, lui. Ah ouais, il y avait beaucoup trop de monde, j'ai merdé. De ouf, la Caitlyn qui se fait focus, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. La Lissandra qui a dû me ult. Non, j'ai mal joué, j'ai très mal joué, là. J'avais pas assez de vision, c'était nul de moi, là. C'est bien ce qu'ils font, bien joué, les gars. Bien joué. Ils finissent ou pas?
J'ai pas le temps d'aller la rejoindre. C'est juste que comme ça, hop, je prends le Zonia. Si au cas où ils finissent pas, j'ai le Zonia. DJ Wellblade. C'est une bonne game ça. J'aime bien ce genre de game un petit peu compliqué au début. J'ai une grande question à te poser. Quand est-ce que je passe modo? Merci à toi. Ce soir pour la réunion, je n'en sais rien, mon ami. Et ouais, en vrai, je me demande, faudrait qu'on fasse un test, les gars. C'est de savoir si tu fais un cumulatif de toutes les maîtrises des gens. Et celui qui a le plus de maîtrise avec les champions gagne la game. Parce que là, genre, j'étais sûr qu'on allait gagner la game. Parce qu'en face, ils avaient pas beaucoup de maîtrise, genre. En tout cas, c'était une très bonne game. Moi, je dis, celui qui a plus de maîtrise gagne la game. On va retester ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gens, sur YouTube. À bientôt. Et merci d'avoir vu la vidéo.